Va changer les modes de jeu. ATH activé. Début du briefing. Information sur le sujet. Kadir Souleymane. Homme politique local, chargé de maintenir l'ordre suite à l'infection. Son frère Hassan est mort lors d'un accident lié à la maladie, avant que nous n'ayons pu l'évacuer. Souleymane a accusé le GRE de la mort d'Hassan. Il a volé un dossier très sensible, qui est devenu sa monnaie d'échange contre le GRE, en lui demandant de le révéler si quelque chose lui arrivait. Information sur le sujet. Le dossier volé. Il explique en détail le processus incomplet visant à synthétiser un remède contre le virus. Utilisé dans son état actuel, la substance obtenue peut être extrêmement toxique. De plus, le dossier contient une description détaillée de la structure du virion. Son utilisation causerait un nombre impressionnant de victimes. Il faut le récupérer. Information supplémentaire, statut actuel. Souleymane a envoyé le dossier à un associé, qui nous est inconnu, avec instruction de le publier dès qu'il le demandera. Nous avons donc dû brouiller toutes les communications radio de la ville pour l'empêcher de rendre le fichier public. Votre radio GRE n'est pas affectée par ce brouillage. C'est un lien vital. Ne la perdez pas. Depuis l'incident, Souleymane a disparu de la circulation et se cache sous un faux nom. On pense qu'il dirige maintenant un des principaux groupes qui opèrent dans la ville. Nous vous rappelons que vous devez trouver Souleymane et repérer le dossier volé afin de sauver l'humanité. Tu me dis quand ce sera bon. Catastrophe sans précédent. Oh, la bonne chute. Hein? Je t'avais dit que c'était pas un parachutage. Une belle chute. Faites-lui une jambe et conduis-le. Un parachute? Ouais. Reculez! Tous! Non! Le bruit les attire. Je sais pas quand tu pourras m'inviter par contre. Avec les paramètres et tout aussi. Tirez-vous! Tirez-vous! Bah dès que je pourrais faire option surtout. Ouais. Vite, faut qu'on file. On le dégage de la rue. Ouvre la porte. Ah 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 Jade, préparez l'infirmerie. J'ai un type avec un sale coup sur la tête. Et une morsure au bras. Merde! Amir est blessé! Non. Amir y est resté. Mais je ramène quelqu'un qui a une chance de s'en sortir. Un des nôtres? On verra bien. Vas-y toi, t'as la trouille. Même pas vrai. Alors pense-le. Il a bougé. Quoi? Il a encore bougé. Et si c'est un zombie? Un zombie.
Il a un masque. Oh là là. Le corona. Bah, je sais pas si je peux t'inviter maintenant. Je sais pas, je suis en recherche. J'ai mis l'assistant en ami façon près donc. Je te vois pas. Bon, ça va arriver là. Elle est partie. Comme une souche pendant 3 jours, puis tu fais peur aux gosses. Bon début, 31. Où je suis? Au paradis, ça se voit pas? Bon, assez plaisanté. Va en salle 190. Le boss te fera un topo. Ça veut dire quoi, 31? Demande au boss. C'est ton numéro. 31 infecté. C'est à cause de lui qu'Amir est mort. Tais-toi. Si je veux. Maintenant c'est lui qui ralentit Zindamir. On se fait éliminer les uns après les autres. Et toi, tu es qui? Crane. Le 31. Oh, c'est vrai. Comment va ta tête? Ma tête? Je vois. Écoute, tant que le boss ne dit rien, tu n'es pas sur la liste. Alors va lui parler, on gagnera du temps. Maintenant, j'ai du travail. On va aller voir le boss. Hey, je cherche... C'est toi le boss? C'est quoi le problème? Je suis trop jeune, c'est ça? Non, je... Tu voulais me parler? J'aime mieux ça. Tu te souviens de quelque chose? Tu sais où t'es? On dirait que c'est une sorte d'abri. On appelle ça la tour. Brecken et ses traceurs ont bricolé ça. Je sais pas s'il faut que j'attende, j'attends. Bah ouais. On traque les livraisons, on récupère, on pille et on sauve des gens. Ouais, je voulais remercier cette fille. Tant mieux. Parce que sans elle, tu serais déjà en train de grignoter de la rotule. Au fait, ton antizine est complètement foutue. Doit être le bâtard. Le seul truc que Jade a pu sauver, c'est ta radio. Ok, je peux la récupérer s'il te plaît? À mon avis, j'en ai plus besoin que toi. Ça, mon vieux, ça m'étonnerait. Bien. Ah, c'est ça, Hellraid. Il y a une sorte de terminal de jeu vidéo, là. Les traceurs risquent leur vie pour des types comme toi. Et toi, tu utilises l'antizine. Ah, un gros truc d'arcade pour rejoindre la campagne de Hellraid, là. J'ai perdu le contact avec un de nos gars. C'est toujours pareil avec ces radios de merde. Rends-moi service, tu veux? Je veux plus voir ta tête, ni ta précieuse radio. Alors, va te rendre utile ailleurs. On n'aime pas les feignants, ici, dans la tour. Eh, hey, c'est injuste. Je suis pas feignant, je... Eh, hey, boss. Lâche-moi. Le type dont je t'ai parlé, il est au 13e. Mais il pourrait aussi bien être coincé dans un éboulement. Repasse plus tard. Et je suis pas le boss, ici. Trop jeune, tu te rappelles? Moi, je suis Raim. C'est Brecken qui commande ici. Je suis pas feignant. Pour combien de temps? Mais celle-là. Où tu vas comme ça? Au 13e étage. Je dois rapporter un truc à Raim. Le 13e? Ah merde! Tu parles d'un sale boulot. Ben, tout le monde doit faire sa part, hein. La vache. Il y a eu combien de morts ici? Attends. Ici Crane. C'est cool.
J'ai fait regarder sur Steam. Je sais pas ce que ça va faire. J'ai pas grillé ma couverture. Attends, comment on fait mes contacts pour regarder? Je sais pas si tu peux voir, ouais. Je sais pas, là, je vois pas ça, ça change. Normal, faut que j'accepte la demande. Encore de contact, ah, c'est une demande. Ouais. C'était impossible à confirmer. J'essaie de m'intégrer. Compris. Le temps est précieux, Crane. Ne l'oubliez pas. Encore une chose. J'ai été mordu. J'ai pas de symptômes, mais on me dit que je suis infecté. Alors vous avez intérêt à trouver de l'antivine tout de suite. À l'aide ! À l'aide ! Au secours ! Qu'est-ce qui se passe ? Oui. Oula, j'ai mis le plein écran et... J'arrive pas à regarder. Ouais. Faut aller où là en fait? C'est la porte? Je me suis coupé en lui échappant. Merde. Hop. Vous avez dû le tuer, hein. Oh bon Dieu, c'était... Ça marche du coup? C'était... Ou ça renvoie une demande? Je suis venu là pour le voir. Je sais pas, j'ai pas de demande. Je vais chercher des... Non, c'est bon. Raïm, ici Crane. Là, c'est du chien en live. Hein. Ouais, c'est bon. Tu cherchais, c'est salement amoché en échappant à un zombie. Oh merde. 31 ? T'as suivi Marc ? Est-ce que les lieux sont sûrs ? Maintenant, ça va. Ok, bouge pas. Je dis à Léna de descendre. Ouais. Bouge pas. Léna devrait pas tarder. De la gaz. Bouge pas. Trouve de la gaz. T'as pas entendu, tu bouges pas. De l'alcool. Combine-les. Ça stoppera l'hémorragie. Oh, dépêche-toi. Essaie de rester calme, d'accord? Je reviens tout de suite. La quoi? C'est pas terrible sur Steam, mais bon. Quoi, tu vois en quelle qualité? Bah, ça dépend en fait. C'est pas non plus une bonne qualité, quoi. C'est pas, y a pas de qualité écrite, c'est pas 1080 ou quoi que ce soit. Je sais pas, attends. Enfin, un live sur Twitch, hein. Non, c'est bon. Y'a que en auto. Y'a que en auto. Ouais, je peux que mettre l'auto. En qualité auto, je sais pas. Ouais, je fais un truc chelou. Automatique. Moi, je peux pas trop savoir, en fait. C'était où après? Salle de bain ou non là? Je sais même plus s'il me reste à prendre. Ah, le frigo. Ou l'alcool. Obligé de tout fouiller. Ah, ça tout chiant. Et après, je sais quoi? Trouver de la gaz? Hein? Comment ça, de la gaz? C'est de la gaz. Essaye dans les. C'est des trucs de soins, je sais plus à quoi ça ressemble. De la gaz? T'es allé là où il y a le mec, il y a pas des toilettes ou... Des toilettes? Je sais pas, hein. Vers à derrière, reviens. Là 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 où il y a le mec peut-être, je sais pas. En vrai je suis un peu aussi sa gaz de merde. C'est dans la maison. Ah ouais, c'est là-bas au fond, hein. C'est là-bas au fond. Ah, là-bas au fond. Ah ouais, ok. C'est pour ça que j'ai pas vu sur la carte, c'était trop loin. Bah, faut chercher. Arrête, en plus, mon son il est fort, hein. J'espère qu'il y a pas de... Bon, c'est tout ce que vous voulez. Mais bon. On va essayer. Viens ici. Faut que je fasse quoi, là? Que tu fabriques un truc. Et c'est quoi qu'il voulait, déjà? Un truc de soin, c'est pas des armes. C'est en bas. C'est tout en bas, ouais. Ouais, c'est ça. Petit de soin. Petit bricoleur. Et tiens, ça, Jackie. Bon, qui est blessé? Il saigne pas mal. Laisse-moi voir ça. Non, il saigne pas du tout. De la gaz et de l'alcool, basique, mais ça ira. Ferme ta gueule. Salope. Ok, merci.
Je m'occupe de la suite. Est-ce que tu vas utiliser tout le long du jeu pour te soigner? Basique, mais super basique, utile mais dans le jeu. Bah voilà, voilà. Salut toi. Pas là, Raïm, c'est qui? Ça va, 31 Raïm? Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Eh, sur la carte, y'a même pas tout pour voir où on va ou. Essaye de monter à l'étage. Attends, écoute. Attends, écoute. C'est pas grave, je veux juste rembourser ma dette envers vous. Trop de mouches ici. Enfin. Non, ouais, oh, les escaliers, les escaliers, les escaliers. Quoi? Non. Ça passe pas ça? Non, ça, là tu descends. Putain, casse les couilles. En principe, c'est ça. Ah non, c'est, ah bon, non, c'est ça. Bah alors, qu'est-ce que tu me dis? Bah, je sais pas, mais au bout d'un moment, on va voir un mec sur le toit en tout cas. Ah, attends, c'est qui Rime? Parce que je sais plus qui c'est. Voilà. J'ai défoncé. Ah, c'est lui, mais il est en bas lui. Putain. Bah, ouais. Tout est réglé. C'était du gâteau. T'as autre chose pour moi? Eh bien, laisse-moi réfléchir. Tu sais que tes idées de génie sont dangereuses. Viens, haut. C'était ton plan pour le nid. Des charges explosives, sans rire. Quoi? Des explosifs? J'ai jamais dit ça. Tu sais pas mentir, même pour sauver ta peau. Bazooka, c'est mieux. Ah, comment je pourrais te spoil, mais j'ai pas envie. T'es pas ma mère. Non, en effet. Notre mère est morte. Alors il faudrait être un peu plus sympa avec moi. Je suis la seule famille qui te reste. Surtout depuis qu'Amir n'est plus là. C'est toi, Jade. C'est moi. Je voulais te remercier de ce que t'as fait pour moi. Et te dire que je suis navré pour Amir. Je vous dois la vie à tous les deux. Oui, c'est vrai. Tu veux me rendre la politesse? Fais en sorte que mon crétin de frère reste en vie. Pas d'explosif, Raïm. Ah, c'est bien les explosifs, Raïm. Bon, bon, ça t'a suffi? Tu peux parler à Brecon maintenant? Change d'abord de fringues. Je t'en ai mis des neuves dans ta chambre. Numéro 194. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elles ont, mes fringues? Il va te falloir quelque chose de plus adapté à la tâche que veut te confier Brecon. Appelle-moi quand tu seras changé. Ouais, tout ça pour une tenue, quoi. Ouais, il est déjà... Mmh. Ah, t'as... C'est quoi la tenue de base? Celle-là? Tout en haut. Nouveau. Bah, moi j'ai pris le tout dernier, le Urban. Bah, c'est ce que je voulais prendre, mais. Bah, on va se ressembler du coup. Peut-être t'as quand même maté une vidéo quoi. Moi j'en ai beaucoup. Hein? T'as quand même maté une vidéo ou quoi? Bah, je te regarde là en live sur Steam. En même temps, je regarde c'est quand qu'on peut se rejoindre. Non, ouais. Et c'est où ces escaliers bruns là? Ah ouais là. Quel est le point commun entre un zoom? Raïm, je te vois pas, où t'es? On regarde pas en bas. Pourquoi? Ça tangue. Ah, nous on est des tarés. Alors, qu'est-ce que t'attends? Viens par ici. Et rien pour sauter, c'est un peu bizarre. Hein. Je sais. Au moment que je saute, il me monte là. T'as été trop vite. Ouais. Tu vas pas rester là à faire le pied de grue. Ah. Quoi, fallait là? Monte. Où? Ah ouais, là. Monte. Ouais. Il voulait pas. Voilà. C'est bon. Et là, ça tangue. Ouais. On court. Tu peux. Allez, après, tranquille. Tu peux regarder en bas, tu vas pas tomber. Bon, zéro, tu. Bienvenue dans la salle de sport. Tu dois d'abord apprendre à courir. T'es vache, ça. Apprendre à courir, allez. Fais seulement ce que je te dis, d'accord? Bon. Maintenant, saute tout en bas. Ça va, c'est pas où? T'es cinglé. Je vais me tuer.
Ah, t'auras un truc où ils vont t'expliquer. Ah, en fait, il faut que tu fasses plein de missions avant. Sérieux, avant qu'on puisse se rejoindre. Je suis taré! Oh bah, il s'est pété la jambe. Tu sautes, hein. Mais non! Je te fais juste marcher, espèce d'enfoiré! Bah, quoi? T'aimes pas les blagues? Allez, saute dans le trou. Attends, je peux pas. Putain ah, après. De merde. Cinématique, hein, toujours. Hein. Vas-y! Heureusement, c'est des poubelles. Ça fait quand même un peu mal, ça amorti. Non, non. Bah, dans la vraie vie, tu fais ça, t'as mal, hein. Peut-être. Ça dépend ce qu'il y a dans les poubelles. Ah, bah. Les bordeurs savent pas grimper. Donc, plus le terrain est compliqué, mieux c'est pour toi. Je t'ai préparé quelques situations type. Voyons comment tu t'en sors. Pourquoi, Billy? Pour voir tes talents de parcours, traceur. Oui. On peut pas glisser en mode. Hmm? On peut pas glisser. Peut-être, je sais pas. Il m'a fait baisser le glisser, j'ai pas compris. Une fois que t'as commencé à courir, évite de ralentir. Là, dehors. Quand tu sprints et que tu fais accroupi, peut-être. Ah, bah je sprinte en même temps. C'est quoi son truc? Ah ouais! T'escalade. À chaque fois j'appuie sur croix en réflexe. Putain! Oula. Oh bah j'ai failli faire tomber, tout va bien. C'est quoi de son truc là? Non, non, t'as des trucs, ouais. Vas-y. Ouais. Tu peux monter. Aïe, 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 casse les couilles, hein. Ça s'inscrit version nulle. C'est plus rapide. Ah oui! Oula, non. Je suis où là? T'es en bas. Je sais même plus comment on fait pour monter en vrai. Bah, tu peux escalader plein de trucs en fait, c'est ça le truc. Tu peux pas au-dessus là? Ouais. Non. Là, ouais. Bah, non, sur les flèches. Pas, ouais. C'est pété par contre les jumps, hein. C'est pas. Je sais pas ce que j'ai fait là. Ah ouais, putain, pourquoi j'ai sauté là moi? Ça marche aussi. Oula. Faut pas que tu vas vers le haut quand. Faut que tu vas sur la droite. Ouais. Faut que je regarde, ou... ah bon, ouais, faut que tu regardes, mais ça passe. Attends, non, c'est trop long. C'est trop haut. Okay. Ouais, voilà. Et là, tu regardes bien, et il va. Et en fait, il va. Ouais, voilà. Bizarre. Parce que sinon, il met sa main devant toi pour. Il se prépare à sauter ton perso. C'est où là? C'est là? Oh putain, ok. On peut pas faire un truc qu'on voit mieux là parce que. Il y a des trucs plus rapides et tout. Je sais pas, moi je prends mes trucs, j'y vais. C'est parce que tu débutes et t'as pas de compétences. Il faut aller où là en vrai? Ah ok. Voilà. Il y a des flèches. Genre. Oh putain, bah ça c'est quand même chaud de base, hein. Ça ira comme ça. T'es sacrément doué, mon vieux. Ah ouais? C'est un screed, ouais. Ouf. À part qu'on sautait dans du foin, mais bon. Ouais. Faut aller où là? Bah, tu peux retraverser la grue, je crois. Bah, ouais. C'est où pour monter? On peut monter comme ça? Attends, mais il y avait un endroit pour monter. Voilà. Wow, comme toi, moi je t'ai fait marcher. En plus, t'imagines, ça t'arrive au-dessus du vide comme ça. Ah bah, je tombe là, j'ai failli. Oh, ça passe. Un truc. Raim, qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est le corona. C'est ça. Je te reprends la porte là. La porte. Là, j'ai plus de temps. Si Raim est là. Ouais. Raim, c'était quoi ce bordel? Je suis en train de basculer? Non, je pense. Côte obscure. Ce type de crise est assez fréquent quand on est infecté. Tu devrais aller voir le docteur Zéré. Il t'examinera et te fera sûrement une injection d'antis. Avant d'aller voir Zéré, va parler à l'intendant. Il t'équipera. Vite switch en un coup. La tête.
Va voir Zéré pour de l'antidé. Va voir. Va voir. Je sais plus ce qu'il a dit, mais il... genre il a changé direct de phrase. Et galéré pour la fin. L'anti, je sais pas quoi, bam. Merde. Ah, maintenant c'est. C'est toujours ça? Je sais pas, moi je faisais carré tout simple, ça marchait. Bah c'est maintenant, tu maintiens. Oh là, faut savoir. On donnait un vrai boulot, et personne ne se doute de ma véritable identité. Pour l'instant, tout se passe bien. C'est marrant qu'ils parlent en changement. Ah, ça va encore. Tout ira encore mieux. Wow. Précédemment. Dans Walking Dead. Bon. Dans Dying Light. Oh, on va faire du parcours. Raïm m'a parlé de toi par radio. Ouais, je te vois, je sais qui t'es, toi. Tant que tu n'auras pas survécu quelques jours, inutile que je me casse la tête à retenir ton nom. Voilà pour toi. Au fait, dans la tour, on raconte que t'es qu'un profiteur de plus. Juste bon à attendre ta ration de nourriture ou d'antisine. Autrement dit, les gens ne t'apprécient pas trop. Mais ne leur en veux pas. On devient vite paranoïaque quand on est isolé. Et vu que quelqu'un brouille les communications avec le monde extérieur, la paranoïa, on connaît. Les seuls sur qui on peut compter pour s'en sortir dans cette foutue ville, c'est nous-mêmes. Mais si tu... Toi, tu vas galérer quand il va faire nuit. Raison, non, voilà. Tu verras qu'ils changeront vite de refrain. Ce genre de truc, ça change tout, crois-moi. Merci, je m'en souviendrai. Autre chose, j'ai pas trop le temps, là. Et si tu veux te faire apprécier... Essaie de filer un coup de main aux gens. Rends leur service. Wow. Ils t'auront à la bonne. Tu pourrais même te trouver une petite femme. Pourquoi pas? Pour te tenir chaud. Pourquoi pas? Ouais, alors je suis toujours en live, je comprends pas là. Ouais, je sais pas, c'est... C'est... Un bug. C'est quoi ça du coup? Faut tout que je prends là? Ouais, tu peux tout prendre. Ça... Alors, si... En fait, c'est des objets en stock et tu peux lui parler, il t'en donne en fait. C'est toujours et bien. Faut que j'aille où, pas ça? De derrière. Hein? Là où t'as l'air en fait. Ouais, ouais, j'ai hésité. Attends, parce que c'était un y a, peu... Ouais, mais il y a un passage. Hein? Il y avait un passage au niveau du garde en fait. Et tu peux monter par au niveau du garde. Salut Billy. Hey, tu sors? Non. Hey, nouveau. Sois prudent. On a déjà perdu trop de monde. Les lumières anti-UV, c'est normal. Enfin, les lumières UV. Et voilà. Zéré est installé dans un smirmorque carré sur un terrain de jeu. Là, tu peux faire du parcours. Prends à gauche. Demande sur la carte pour l'objectif. C'est quoi la carte? Là, sur la mini carte, le mini radar. Bah c'est tout à gauche. Bah t'as le mini radar, il te montre. Ah, ils m'ont pas jusqu'au bout quoi, je peux pas savoir si c'est loin. Ah faut que je suis obligé de faire du... Tu peux? C'est juste que des zombies au sol après. Hein. Bah je peux en faire là aussi, c'est compliqué ici. Non mais tu peux essayer de descendre petit à petit, il y a des trucs pour descendre. Ah bon, il y a des trucs pour descendre. Voilà. Hop. Après tu montes sur une voiture, comme ça évite de... Après ça dépend des zombies, hein, mais... Voilà, et tu peux passer par là. Mmh. Ouais. Et là t'as la caravane. C'est ici. Ouais, derrière. C'est qui... C'est dedans carrément? C'est ça. Ok. Ouais. Je tente des bonnes lames là. Docteur? Eh oh! Tu es là? Merde. Je suis censé recevoir un vaccin. Quoi? Non, non. Un inhibiteur. Ça s'appelle l'antisine. Ça bloque les symptômes. Assieds-toi. L'antisine retarde l'inévitable. Le GRE n'a pas pu faire mieux. L'inévitable, donc il n'y a pas de remède. C'est une variante de la rage. Il n'y a pas de traitement pour l'instant. Mais je fais des tests sur l'antisine et sur des tissus infectés. Un vaccin est envisageable, c'est certain. Sans rire, vous pensez pouvoir le trouver? Avec l'aide du docteur Camille. C'est marrant sa voix, la voix du perso. Principal. Qui est le docteur Camden? C'est un collègue. Coincé dans le secteur zéro, là où l'épidémie s'est déclenchée. On collabore par radio. Mais on aurait progressé bien plus vite avec une liaison de meilleure qualité.
Et si mes expériences avaient porté... Il te parle comme si t'avais déjà vu. J'ai essayé d'injecter des versions du virus recombinées dans des bouts de viande disséminés dans toute la ville. J'espérais que des infectés les mangeraient pour pouvoir observer et enregistrer les résultats. Ça n'a pas marché. Ah, ça n'a rien donné. Il regarde plus son clavier que son écran. Je fais semblant de travailler. En fait, non, parce que je suis un enculé. Je suis très occupé. Tu peux y aller. Trop occupé. Wesh, le coffre qui ouvre alors que je peux pas passer. C'est quoi cet événement de communautaire? Ouais, on s'en fout. Non, bah dépêche. Spike! Oh! Ouais, dans un bâtiment. Spike, ouais, on va le voir. Spike, je suis Crane. Encore de la main-d'œuvre au rabais. Super. Boucle-la et écoute. Direct. Y'a personne qui est sympa, on dirait. L'autre est bourré. Genre, ils sont directs. Bah pour moi c'est bien. De leur arrivée ah. En nous envoyant une vidéo. Le problème, c'est que ces livraisons d'antizine sont généralement récupérées par les gros bras de Rice. Et sans elles, nous sommes morts. Rice et ses gars n'opèrent qu'en journée. Parce que c'est le meilleur moyen de se faire tuer. Mais les deux prochaines livraisons d'antizine auront lieu ce soir, au crépuscule. Brecken veut les récupérer. Ça sera peut-être notre unique chance d'atteindre le parachutage. Et mon rôle, c'est quoi? Je te l'ai dit, sortir de nuit, c'est du suicide. Ou du moins, ça le serait, si depuis des semaines, on ne préparait pas des zones sécurisées et des pièges. Brecken et son équipe ne risqueront rien ce soir si tu sors d'ici et que tu actives ces pièges. C'est ça, ton rôle. Très bien. Où se trouvent les pièges et comment je les active? Tu verras. Je te guiderai en permanence. N'oublie pas, sans ces pièges, Brecken n'a aucune chance. Et s'il ne rapporte pas l'antizine, c'est la fin. Avant de te lancer, prends quelques pétards. C'est moi qui les ai. Les pétards sont sur Atom. Mets l'attention en cas de soucis. Ah tiens, pour changer d'arme, hein? Ah ouais, c'est bizarre le truc comme ça. Hein. Faut s'y faire. C'est où, c'est le bazar? Putain, c'est là-bas au fond, quoi. Et merde. Ouais, y'a plusieurs pièges à faire. Putain, sur la clé de survie. Ok, faut appuyer sur quoi, là? Ok. Vas-y, fais du parcours. J'essaye. Un peu courir au sol, hein. Ils vont pas te courir dessus. Il y a des zombies qui courent, mais tu les as pas tout le temps. Ils sont pas tout le temps là. Enfin, c'est plus rare que les zombies qui marchent. Je suis obligé d'aller au sol quelquefois. Faut voilà. J'aille où? On voit pas lui, il est con. Non, t'inquiète. Je suis dehors. Un boulot pour Spike. Tu t'appelles Crane? Écoute, un de nos traceurs transformait une de nos plantes pour l'émission. Il est sur un terrain près de Vefa et de Myrmar. Les zombies sont partout. Il faut que tu l'aides. Bon, ça fait nuit en plus, j'ai l'impression. Bien, je m'en charge. Aider un souriant piégé. Tu peux pas monter là? Tu restes à pied pour escalader, non? Je peux pas, c'est galérer. Quoi pour escalader, faut rester appuyé. Bah des fois je reste appuyé, c'est trop haut, ouais, je crois. Non, tu regardes vers le haut, tu... voilà. Non mais là j'ai pas fait gaffe. Mort. Mais tu peux t'accrocher un peu là où il y a des... partout où il y a des trucs, ça se pète, ouais. Oh c'est violent ici là en fait. Là où tu peux quoi. Mais je peux pas là. Vas-y regarde bien vers le haut. Bah, regarde bien la bordure. Vas-y. Là. Non. Bah là j'y vais comme ça. Là tu peux escalader. Voilà. C'est quoi, faut aller dedans là? Ah ouais. Ok Jade, je suis sur place. C'est peut-être là qu'on pourra jouer à deux. Comment ça marche?
Tu vises l'autre, c'est mieux. C'est tout, c'est juste ça les coups. Attends, tu peux pas. Y'a pas des trucs à fermer, je sais pas. Je sais pas. Non, c'est moi, y'a que ces deux là, je pense. Bah, je vois bien. Quand ils sont par terre, c'est plus facile, ouais. Ouais, c'est bon. Ils sont morts. On peut les fouiller. Ouais, 9 dollars. Wesh, un kebab. Je crois que c'est quand t'auras nettoyé un coin que tu pourras. Oula. Ouais, c'est un peu fichu. Quand t'as ralenti, en principe, c'est. Bon Dieu. T'avais pas le choix. Il n'était déjà plus humain. Magne-toi, tu dois encore allumer les lampes. C'est le seul moyen de sécuriser l'endroit. Calme-toi avec tes lampes. Sinon, tes lampes de merde là. C'est. Ouais, c'est ça. C'est bon, je peux me casser. Ah, du coup, j'ai une planque, c'est ça? Merde. T'appelles. Les lumières sont allumées? Presque. Tu peux monter là? Je sais pas si tu peux monter là, le robot il y a un peu. Ouais, tu peux monter là. Et sur la grille, il y a un peu. Et sur le. Oui. Là, ouais, mais pas là. Ouais, là, le côté putain, où il est plat la grille. T'es obligé d'aller à côté des zombies quoi, c'est fait exprès. Non, non. Et là tu peux me... Quoi ouais. C'est pété ce truc. Oh, moi j'y arrive. Ouais, moi j'ai peur d'aller trop loin pour me foutre dedans quoi. Ouais je sais, je comprends. C'est un truc d'habitude, hein. Même moi je sais plus jouer. Donc. Voilà, tu appelles le truc. Beau portable. Et c'est Crane. Sécuriser le portable. Nokia 3310. Un scientifique. Il s'est fait un labo dans une sorte de remorque et travaille sur un remède contre le virus. Il s'appelle Zéré. Alors, regardez où tu veux. Ouais, j'ai vu. Tu peux faire genre. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Le cinématique. Ouais, voilà. Ma priorité, on est d'accord. C'est la merde ici. C'est limite par une panoramique ce que tu fais. Ouais. C'est fait. Bien. On devra préparer davantage de zones sécurisées comme celle-là. Spike te les marquera sur ta carte. Ouais, Spike. Merci. À toi, Spike. Pour l'instant, tu dois revenir à la mission principale. Tu bouges ton boule. Bah ouais, c'est long. Il y a une autre voiture à proximité. Ouais. Je sais pas si. C'est pas à ce moment-là que je peux être rejoint. Je sais pas du tout. C'est quoi? Hop. La rue grouille d'infectés. Ah ouais, en plein milieu. Dégage de la rue, essaie de rester sur les toits, là où ils peuvent pas t'avoir. Allez, ils peuvent pas m'avoir ici. Il y en a plein autour de la voiture. Tu utilises des pétards au pire? Comment on fait déjà? Gauche. Gauche tout court ou y'a pas une touche? Ah. Ah ok. Bah non, je comprends pas là, tout un truc là. Il est déjà équipé, il va pas. Je sais plus. Ah ok. Genre ils vont tous être attirés, limite t'en lances un deuxième s'il faut. Et genre t'as le temps de faire le truc de la voiture s'ils sont tous éloignés. Mais c'est même pas les mecs, gars, lui. Ouais, lance des pétards un peu plus proches au niveau de la voiture. Ouais, ils vont dessus. Non. Yo. Ils viennent de là-bas au fond, comment tu veux toi? Bah je sais pas, moi j'ai... Essaye de le faire, vas-y. Bah attends, il y a encore des mecs là. T'as pas des pétards infinis, hein, il t'en reste ça. Voilà, faut prendre des risques. Je vais me prendre un coup dans la gueule, ouais. Ah eux aussi. Tu sais que il y a une compétence, tu te mets de... C'est comme dans The Walking Dead, tu te mets de la chair de zombie sur toi et tu passes à côté d'eux sans qu'ils savent que c'est toi en fait. Sérieux? Ah ouais, faut vraiment être... Des fois tu peux te coller aux zombies c'est et... C'est genre putain, ouais, vite fait là. Ah, y'a une deuxième voiture. Ouais, c'est pour ça. La voiture, c'est réglé, il reste plus qu'un pétard. T'as vu? Ouais, mais attends, y'a en bas à gauche. Putain, ça a chopé. C'est trop loin là, non?
De quoi? Non, il sait. Du moment que tu vises le rebord, ça passe en principe. Ah bah, y'a pas non plus 500 mètres, hein. Mec, si on peut aller au bout de la map en visant, vas-y, je vais au bout de la map, moi. Ouais, mais c'est surtout qu'il s'accroche là où tu regardes, en fait, limite. Ouais, ouais. Y'a comme l'eau, je sais pas si c'est... Ah non, là, tu t'es pris un rebord. Ouais. T'es pris le pont. Ah, c'est en dessous, merde. Ah ouais, là, je sais plus quoi. Ah ouais, c'est le, l'antenne. Wow. L'antenne. C'est quoi le bruit? Le poteau. Oula! Wouah! Ça doit être un bidon d'essence. D'un truc de gaz, ou je sais pas. C'est pas moi ça. Hein. C'était calculé dans le. Ouais, ouais, arrête. Ah ouais, je me trompais de touche. X. Ouais, putain. Ah, ton tuyau il est cassé. Pourquoi j'entends la blinde de bruit comme s'il y avait un côté autour de moi là, putain. T'as vu quoi? Je sais pas, j'ai entendu un zombie tellement fort que j'ai cru qu'il était à côté de moi. Le gros bruit de merde là. Ah, je sais pas. Je sais comment en fait là. Ah, je te vois plus. Voilà, c'est la qualité, elle est pff, difficile à regarder. Bah, tu m'étonnes. Ah, il a le c'est le poteau, ouais, c'est les poteaux. Ils utilisent multiprise à l'intérieur. Ah bah, pourquoi pas. Hein. Et là, le coucher de soleil. Ouais, alors. Eh ben, il va faire bientôt nuit. Eh, faut que j'aille dedans. T'es sérieux là? Et quoi? Je fais ah, pas... mais tu seras obligé de passer une nuit dehors. Non. Et de rentrer vers la tour en courant ou où, en étant discret en tout cas. Son bazar, là. C'est le poteau électrique surtout. Oula. C'est quoi ces bruits de merde là? C'est pas ça, un bruit sonore comme ça pour la musique, pour l'ambiance. Mais comment tu veux que j'aille ces, ces machins? Il y en a un autre de l'autre côté aussi. Bah y'a pas de chemin pour y aller. Ah, en principe, il doit y en avoir. Ah, tu vas aller où? Je sais pas, je vois. Moi, avec la qualité, je vois pas de fou. Oh, je suis tombé. Bah, j'ai même plus envie de faire le tuto là, ça casse les couilles avec leur truc là. Bah, je suis bloqué là. Tu peux pas ouvrir une porte? Bah, non. Et dehors, ouais, là. Hein? Y'a pas un truc qui s'ouvre? Bah, non. Et c'est dehors. Remonter, y'a des trucs à escalader. Bah, vers le mur. Jusqu'à là, franchement. Ouais. Bah, attends. Regarde en haut. Ah, bah, y'a une échelle. Il fait tellement noir dans leur bazar que. Ah, moi, c'est la qualité en plus, je vois pas grand chose. Hein. Fais attention aux trous, s'il y a des trous dans les grilles. Moi, je vois pas parce que. Tu peux aller sur le toit direct, là. Tu peux essayer. Oh. Ah, ok. Bah, même là, tu veux que j'aille comment en vrai? Là, tu peux essayer hein, comme ça. Tu cours en sprintant. Oh! On dirait pas que ça fonctionne, hein. C'est tellement injuste que. Ouais, mais c'est ça le truc, c'est. Je crois que c'est fait exprès, hein. Les lampes sont activées. Tu es prêt pour la suite dans ce cas. Dépêche-toi. Bah, tu choisis comment le dernier? C'est le dernier. Ah, on est, je suis pas obligé! Ah non, moi c'est bon, c'était. Ouais, c'était un des deux. Parce qu'il était pété le deuxième, hein, et je pouvais pas. Ça c'était gratuit. Oh, il m'a cassé les couilles. Ça va. Tant que j'ai pas eu l'autre à faire au chat pour voler. Putain, Spike, tout le quartier est dans le noir. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Ah, pas encore. Bon, écoute, y'a un poste électrique tout près de toi. Va y jeter un œil. Tout près ou à 3000 mètres là? Le poste électrique. Oh, y'a 3000 mètres le bâtard là. En tous les cas, t'es obligé de passer une nuit dehors. C'est pas fixe. Ouais, mais je vois rien aussi, mec. T'as pas une lampe torche? Je sais pas. Ah, c'est là. Ah, y'a des zombies par contre. Où? Bah, quelque part, peut-être à l'intérieur du bâtiment. Faut regarder à l'intérieur du bâtiment. Bah, je regardais à l'entrée, vous l'étiez, si elle était sur le côté. Ah, là, ouais.
entendu un bruit, je suis un poulier. Ils sont à l'intérieur, je pense. Ok. Wow. Ouais, c'est fait exprès, voilà. Un autre zombie. Pas bon, je vous... Ah, ouais, jeu, ça va... Ça va quoi? Bah, prends ton temps. Oh, là, je pouvais pas. En principe, quand tu fais un saut sur le côté, ça fait une esquive. Ou vers l'arrière aussi. Bon, déjà, pas. Sur le côté, essaye. Enfin, après. Ouais, genre, je tourne autour. Faut pas le tuer. Si, si, c'est tuable. Hein. C'est juste que t'as un tuyau. Et qu'il est gros. Je crois qu'il me détruit le tableau de bord, en fait, je suis pas obligé de... Bah t'es pas obligé, mais il va te suivre. Essaye des pétards, mais je sais pas si ça va marcher. Ah oula, ouais, tu vas te prendre un coup. Ah bon? Ah c'est sûr. Impossible. Essaye des pétards, essaye. Des pétards. J'en ai qu'un aussi. Dépêche. C'est normal. Alors c'est sûrement à l'intérieur, hein, de toute façon. Ouais, là tu peux au moins t'es tranquille, mais fais attention, il fait noir. Il doit y avoir une lampe torche. Ah bon? Bah, je sais pas, peut-être les croix directionnelles. Ah ok. On va pas expliquer dans le tuto qu'il y avait une lampe torche. Hein. Bah ça. Ouais, en fait, je dois aller au fond, quoi. Ouais, là, c'est une porte que tu peux ouvrir, mais on l'ouvre pas maintenant. C'est quoi ça? Ah, le crochetage Skyrim. J'en ai jamais fait le Skyrim, donc tout court. Hein. En gros, ça tourne de mieux en mieux et il faut que tu trouves le bon endroit, en fait. J'ai mode, quoi. Voilà. Il y en a qui sont plus compliqués que d'autres. Café... T'es pour ton crochet, il peut se casser et tout. Et par contre, j'ai pas vu son. Ouais, mais c'est là où il y a les lumières rouges. C'est les trucs. Faut que tu cherches. Essaye-le, ouais, tout ça là. Non, il y en avait un que tu pouvais ouvrir, je crois. Ah bon? Tout ça? Bah ouais, avant. Ah non? Bah, je sais pas, j'ai peut-être mal vu parce que avec la qualité. Oh, il y en a un là? Bah ouais, on dirait. Ah, j'ai déjà ouvert lui. Ah mais encore plus loin. Ah ouais, ok, il va le... Ah ok. Bon, le poster lancé. Mais si le réseau a déjà grillé une fois, tu sais que ça peut se galère. T'es moi, je peux ouvrir là. Là, ouais, là tu peux ouvrir. Et tu sors comme ça. Tu sors pas avec le gros, tu vois. La nuit sur place, ouais, faut que tu vois la zone sécurisée. Ah merci de me déjà dresser dehors. Hein. C'est sympa en tout cas. T'as fait quoi? Ah, t'as réparé ton arme. Ouais. T'as, hey, chaque fois j'appuie sur croix, hein, je peux pas. Hein. Faudrait remplacer. Ça va, il fait pas nuit totalement, y'a pas les zombies chiants. Faut remplacer la touche de saut avec le truc d'instinct parce que franchement. Je suis habitué, je joue à la manette. Moi aussi je joue à la manette, mais c'est. Pour moi, Moi, je suis à l'aise à la manette. Ça restera sauté pour moi, Je m'habitue plus vite, je sais pas. Toi, des fois, tu joues au clavier sur 2-3 jeux. Ouais, mais. Vraiment des petits jeux, quoi. Ouf. Ouais, c'est peut-être après la nuit, mais. Peut-être qu'on va pouvoir jouer après, là. Je sais pas. Tu peux aller dodo. Oula. Merde. Ah ouais, attends. Il va faire flipper, non? Non? Ouais, y'a des zombies qui sont inoffensifs. Ah bon? Ouais. Ils me préfèrent fuir. Bah dehors, lui d'aller. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Viens me voir
voir un zombie super bizarre, couvert de gros. Il va te dire de le suivre. Il s'est tiré dès qu'il m'a vu. Ça vous dit quelque chose? J'ai bien peur de ne pas avoir assez d'informations. Ouais, d'or, oui. Ah non, c'est bon. C'est juste pour voilà, te montrer le zombie. C'est bon, je peux. Putain, oui. Hey, tu es réveillé? Non. Il y a un problème. Il faut qu'on. J'ai pas envie de parler. Ok, donne-moi une minute. Une minute. C'est bon. Bah voilà. Bah, je regarde plus ton live. Bah, tu m'étonnes. Ami uniquement, y'a. T'as vu les joueurs coop humains. Hein? Faut que je trouve comment arrêter le machin du coup. Hein? Je sais pas s'il s'enlève directement dès que tu quittes. De quoi? Bah le live à la con là. Je sais pas, ouais, je sais pas. J'ai pas envie de live alors que je suis en train de jouer. J'ai pas live jusqu'au bout quoi. J'arrive toujours pas à te trouver. Oh, je peux pas t'inviter le bazar là? Je sais pas. Ah si je peux. Voilà. Ah mais je suis toujours en live, ouais. Ça va niquer ma quoi. Bah ouais, enlève le live si tu veux. Bah je sais pas comment on fait. Ça l'a enlevé là? Bah je sais pas. Bah moi j'appuie sur une croix, je le vois plus. Ouais mais je crois que tu peux revoir le live quand tu veux aussi. Parce que quand je revais dans mon jeu, moi ils me disent que je suis en live normalement. Attends. Bah je pense, je suis pas sûr mais... Vas-y je t'attends, t'arrives ou... Ah, ils me mettent des messages. Vous avez déjà vu cette partie de l'histoire, le développement du personnage et l'inventaire sont sauvegardés. Cependant, seules les quêtes qui sont à la progression directe de vos quêtes en cours sont préservées. Je sais pas si j'aurais mon stuff, mais au moins comme ça c'est équilibré. Ah, tu veux pas ton stuff? Parce que moi j'ai des armes à feu. Bon, c'est pas le problème. Là, ça serait hyper facile. Brave. Yo! Il y a quand même parlé de mon jeu sous. Toi aussi? Hein? Ah bon? Bah je vois l'icône. Moi aussi mais pourtant j'ai pas mis le truc en jeu hein, mais... Bah moi non plus. Oui. Attends. Le truc est pété. Sous-titres... En ligne... Chat vocal non? Bah ouais j'ai pareil, c'est tout de base. Et tu m'entends double? Non j'entends pas, je vois juste l'icône. Ah j'ai toujours mes armes. T'as des armes et tout? Ah ouais, j'ai toujours mes armes. Putain. Je vois même ton truc qui parle, même à 300 mètres, hein, tout va bien. Ah, moi aussi, je te vois. Je vois ton truc qui parle. Putain, on est trop vite essoufflé. Hein. Je vois un truc rouge qui arrive à une vitesse là. Ah ouais. C'est ça qui court, les zombies qui courent là? Je sais pas. Ouais. Oh, ils sont violents. Ouh, le gratin. T'as pas une arme corps à corps pas mal là? T'es... Oh, j'ai plus de... Oh. Dès qu'ils sont quand plus forts les zombies que... depuis que t'es arrivé. Et là je me mets de la morve, je me mets des entrailles de zombies sur moi. Bah moi je vois pas au moins. Et je suis tranquille. Et là le grappin, hop là. C'est un fou. Je sais même pas par où rentrer. Hein. Je suis obligé de passer par là. Putain, ils sont casse-couilles à faire des chemins déjà. Quand on regarde pas, ça sort plus simple. Je
Ferme ta gueule, tout. Ouais. Ah ouais, faut que je t'attende. Ah ouais, ok. Rice, je l'ai buté. Ah, tu m'attends. Ouais, j'arrive. Je voulais te féliciter pour ce que tu as fait. Putain, moi j'ai une vue jaune parce que je me suis mis des entrailles de zombies. Voilà une lampe UV et oh, c'est bon. Si tu croises un rapace, tu lui bronzes la tronche. Je bronze. C'est pas mal ça. Je lui bronze la tronche. Crame peut-être, mais. Plus tard, je vais faire du rap. Je me sens bien dans le rap. Ouais. Merde, il va bien. Il est toujours en vie. Ouais, tu peux. Il y a des zombies qui aiment pas la lumière. Enfin, les zombies en général. Et tu aurais j'aime pas dans le jeu, t'es obligé de te soigner. T'as fini de jouer ta lumière? Ah si, tu peux te soigner. C'est quelle touche? Je sais pas. Bah, ah, ok. Wow. Ah bah, bas. Tu l'as fait. Ok, nickel. C'est quoi? Bah, bah. C'est ça, mais t'as le. Les kits de soins, c'est en dessous de ta vie, t'as le nombre de kits de soins ouais, que t'as. Et sinon, il faut en craft si t'en as plus. Oh là là. Moi, j'ai un bouclier, moi. Oh, je suis tombé. J'ai fait du corps à corps avec le zombie là. Oh là là. Oui, je sais. Voilà. J'ai l'arme de Taïr. Taïr. J'ai un fusil d'assaut. Oh la merde. Faut aller où là? Pour viser par contre faut pas... Faut appuyer sur le stick analogique pour viser avec l'arme quoi. Faire quoi là? Faites un rapport. Ah bah voilà. T'étais follow. Ok. Fallait que je follow. Ah ouais. Faut que je te suis. Y'a zombie en haut là derrière toi. Possible réunion avec le chef. C'est vrai. Cinématique. Qu'est-ce que fout ce zombie? J'ai pas eu le temps. Je sais pas ce qu'il fait, il regarde. Bah, il profite de la vue. Hein. Il fait... Ah, si tu veux, j'y vais, regarde. Hop. Attention, attends, je le vise. Non, je peux pas. Hop. Oh, merde, c'est pas ce que je voulais faire. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu fais? Ouais. On est pas au catch ici, hein. Moi je grimpe plus que toi. Oh tu m'étonnes. Compétence. Bah you le mec est... Ah c'est le ascenseur. Moi je peux faire une sorte de ruée, de dash en poussant les ennemis, les zombies. Oh là là. Broken. Raikun, fils de pute, t'es où? Dans son bureau. On sprint, on fait du parcours dans le bâtiment. Bah ouais. Pas calme. Le temps. Rain. Écoute, Raikun, sale moche. Je sais pas. On l'a peau grosse, non? Non, bah y'a pas de douche non plus. Hein. C'est normal. Enlève ton maquillage, on reparlera. Ouais, c'est bizarre qu'il n'y a pas coulé son maquillage. On s'en bat les couilles. Bon, on y va. Et l'air sûr de toi. Oh, je suis sûr. Salut, Breken. Ok, je tue Raïs, je me casse. Peut-être qu'il vous écoutera, vous. Bat les couilles. Salut, c'est qui ton ami? Kyle Crane. Écoute, Breken, il ne faut surtout pas que tu retournes là-dehors. Ah, mais c'est la première fois qu'on le voit. On va trouver un autre moyen. Ouais. Sans risquer ta peau. N'est-ce pas, Crane? C'est bon, je vais m'en charger. Voilà, super. Crane peut y aller, ça lui fait plaisir. Bah, ça te fait pas plaisir. Comme toi, ouais, comme toi, le frigo, y'a rien demandé. Pas mal, mais tu débutes. Tu peux pas. Crane se débrouille. Ah, moi, avec moi, ça va. Moi, je suis à la fin du jeu. Tu dois rester ici pour veiller sur la tour, pour les convaincre que le monde n'est pas encore fichu. Eh merde. Bon. Peut-être un essai avant d'aller voir Rice. Bon, ok, entendu. Je veux pas de ta main. Comme le frigo.
Attends, j'ai envie de... Bien sûr. Attends. Rends-toi au chaudron, je te contacte très vite. Chaudron. Le chaudron braveur. Harry Potter. D'accord, oh là. Oh putain. Il y a autre chose dont on doit parler. Non, j'ai pas envie. Elle est pas contente, hein. Ah ouais. Et c'est pire que ce qu'il veut nous laisser croire. Il a pris un coup à la tête. Tes sourcils sont bizarres, c'est. Et moi, je n'ai plus de l'Oratrax. Plus personne doit en avoir. Les entreprises. Sorte de cigarette. Quand l'infection a commencé. Les magasins sont vides depuis un bail. Ouais. Quasi. Comment est-ce que tu sais tout ça? Que veux-tu que je fasse? Tu devins. Il y a un homme en ville qui s'appelle Gazi. Gazelle. Il n'est pas vraiment dans ce monde, si tu vois ce que je veux dire. Sa mère était épileptique. Alors, il allait chercher ses médicaments tous les mois. Elle est morte, il y a 2 ans. Mais Gazi a continué de passer au magasin pour son ordonnance. Il a ses habitudes. Et il peut être assez insistant, c'est le problème. Alors, ils ont continué à lui en donner. Tu crois qu'il les a accumulés pendant tout ce temps? S'il ne l'a pas fait, je ne sais pas. Ok. Peut même pas choisir les dialogues, donc. Elle a même pas fini sa phrase que... Attends, j'aurais dû changer de tenue. Dis, on va en faire des mains. Mais c'est con parce que je peux pas me voir. Si. Ah, tu peux pas te voir, c'est compliqué. Non, mais je sais, je l'ai. Tu as vraiment resté avec ça? Non. C'est pas ça que je voulais mettre. C'est juste que je sais pas ce que ça donne, mais c'est surtout ça que je veux voir. Ouais, t'as une lampe torche scotchée sur ton épaule, du coup. Nickel, nickel. Quand tu as un screen. Bah, mets-toi, ouais, mets-toi pas près de la fenêtre, mets-toi devant moi, là. Pour bien pour voir, quoi. Ouais, pour bien voir. Parce qu'il fait sombre dans le jeu. Oui, ça m'a fait un truc bizarre sur mon jeu, oui. Attends, attends, attends. Bill, il est jamais mort. Bah, je sais même pas si ça m'a fait une capture. Ça niquait mon jeu là, non? Bah, moi je te vois. Oui, c'est chelou ça. Je vois plus mon jeu allumé. Peut-être parce qu'il était en plein écran. Non, mais sérieux, je sais pas. Il est même pas écrit en dessous que j'ai mon jeu allumé. Non, mon jeu s'est éteint. Ah, bah ok. Pour une capture, putain, j'aurais dû jamais la faire. Oh là là.